10h du matin sur le plateau, Anthony et Iris sont déjà bien dans le thème de la soirée. Hein. Bon, pour les siestes des fantômes, on a tout prévu cette semaine, décor de cimetière. Et un détail a sauté aux yeux d'Héloïse. Hein. Christophe, viens voir. Et ton nom sur la tombe? Non, ça c'est dégueulasse. Mais non, c'est pas mon nom. C'est dégueulasse. C'est une blague d'Halloween. Ça, j'aurais trop mal pris. Pour Clément et Denitsa, la Corée de Scooby-Doo, ça fait quand même beaucoup moins peur. Alors, il était comment, ce Scooby-Doo? Bah là, il était pas à fond. Bah, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas là. Il n'y a pas l'accessoire le plus important. Eh bien, partons à la recherche de l'accessoire. Voilà, l'accessoire. Ah oui, c'est une... Ouais, j'ai une queue. Mais... Et une fois le costume enfilé, effet garanti. Il est où, mon Scooby-Doo? Bah quoi, il est mignon, ce petit chien. Et puis, il remue bien la queue, en plus. Il y en a un autre qui s'y connaît en mouvement du bassin, c'est Terence. Ça s'appelle le roulé-boulé du bassin façon Martinique. Ah, façon Martinique, c'est parti, vous êtes prêts? Ce qui est assez drôle, hein. Non mais parce que regarde, c'est boule quoi. Dis donc, fauve. Il a juste fait se déhancher. Regarde sa gueule de gamin. En fait, c'est la tronche de gosse, moi, qui est facile. Justement, retour en enfance pour Jean-Phi, transformé pour l'occasion en super Jean-Phi. Marie. Alors Marie, un avis? Ah bah là, il est... Il est flashy, tu peux pas me louper sur le parquet. Hein. Ah normalement, tu dois le trouver. Hein. Et un super-héros, c'est toujours la classe. En toutes circonstances, ça fait des efforts, ça lève des buildings, ça sauve des gens, ça tue des méchants, mais ça reste beau et élégant. Bon, c'est pas tout, mais super-héros, faut que j'aille faire pipi. On avait dit la classe, Jean-Phi. Pour Camille, c'est une semaine, une danse de groupe. Alors c'était comment, Camille? Je suis mal à l'aise. Ah, pourquoi? Parce que Christian, et je vois que je danse un chouïa mieux que Christian Millette, et je vois que ça le... Je l'aime beaucoup, Christian. Mais la Corée, il voit que j'ai un peu plus de punch, tu vois. Eh ben oui, la danse, tu maîtrises, hein, c'est ça. Ouais, j'ai fait un CAP Marco, moi. J'ai eu la chance de faire un CAP Marco et un VEP comme ça. C'est ça, les grands professionnels, ils savent tout faire. In the neighborhood. Bon, allez, Camille, il faut y retourner, hein. Le clic était très précis, on sent une belle maîtrise du geste. Ça va être un parfait abonné. C'est le clic juste là.